futuristic synthesizer pop, space age and krautrock, and that in the middle of Paris, this is where the four boys from Chateau Marmont live and work. Largely inspired by film music and French composers from the 70s and 80s, Chateau Marmont tracks sound retro-futuristic, just as one would have imagined the future to sound back then. However, they managed to transport this analog sound into the present and interpret it in their very own way. It's especially in the USA, where they've been particularly well received, that the quartet are regularly on tour. And in terms of their influences, they do in fact have a philosophy of their own. Oui, voilà, on est très influencé par le futur du passé. La façon dont avait les années 70 de voir le futur. Et de voir la conquête de l'espace et le futur. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait par rapport à toutes ces influences-là, on prend de cette musique du passé qui, elle, imaginait le futur. Nous, on fait une musique du présent et avec des éléments que l'on considère modernes, en fait. On fait un mix de tout ça. À l'époque, eux, les groupes avaient cette vision futuriste. Nous, on prend quand même dans le passé et on essaie de mélanger différentes époques. Donc, c'est quand on est dans une approche un peu différente. Et après, de toute manière, tout groupe, même dans 20 ans, ou dans 100 ans, ou il y a 100 ans, imagine toujours un futur. Donc, à tout moment, je pense qu'il y aura toujours la même chose pour tous les groupes. En fait, nous utilisons beaucoup de vieux matériel, de vieux synthétiseurs. Et c'est justement ce en quoi on va piocher, on appartient au passé en fait. C'est-à-dire que tout notre matériel ne dépasse pas le milieu des années 80. Autant la musique peut avoir évolué avec les musiques qui sont arrivées dans ces années-là, qui peuvent nous avoir influencé aussi bien que la musique des années 70, autant l'évolution technologique n'a pas vraiment, à part pour vraiment pour la manière de la faire, où on utilise quand même des ordinateurs et tout, mais au niveau de notre matériel, on est resté sur vraiment des synthés analogiques, des vieux instruments, et de ce côté-là, on est vraiment resté bloqué dans le passé. On est très fasciné par la synthèse analogique, par le fait que c'est peut-être plus physique que le numérique. C'est quelque chose qu'on... Enfin, c'est une impression qu'on a, on le perçoit plus avec le corps qu'avec les oreilles. C'est quelque chose de plus électrique et de plus humain, de plus chaud. C'est plus psychique aussi, c'est plus profond. Et ce sont des très beaux instruments, c'est très beau à regarder. Notre marque de fabrique, je pense, au niveau de notre son, où les gens peuvent se dire, effectivement, ça arrive, ah, ça doit être Chateau Marmont. C'est que bon, déjà, il y a notre son, c'est-à-dire qu'on le travaille vraiment. Donc, en fait, le grain, les sons utilisés sont quand même assez typiques, je pense, de ce qu'on peut faire, même si d'autres gens utilisent le même matériel. Et après, il y a un certain type de mélodie aussi, souvent peuvent être très érotiques, naïves, plaqué sur des accords qui nous sont propres, c'est-à-dire la plupart de nos morceaux sont en do mineur, en si minor, et donc voilà, je pense que c'est ce à quoi les gens peuvent se rattacher quand ils se demandent si c'est un morceau de Chateau Marmont. Alors notre processus de composition, il est souvent le même. Ça part d'une idée que peut avoir Julien, soit une idée rythmique, soit une idée de thème mélodique, de synthé. À partir de là, on essaie de développer la chose en studio, autour des synthétiseurs, voir comment harmoniser, quels accords, comment faire évoluer la chose, quelle rythmique lui donner. Comment éventuellement, souvent, on a la moitié de nos chansons sont instrumentales et la moitié sont chantées. Est-ce que ce morceau-là, à un moment donné, va devenir chanté, va rester instrumental ?
Et souvent, ça prend vraiment du temps. Il y a des dizaines de versions. Comme on est très, très pointilleux, on peut avoir 20 versions différentes d'un morceau pour arriver à quelque chose d'intéressant. Oui, effectivement, notre musique est très imagée, mais est-ce que ça part d'une volonté de nous ou est-ce que... je pense que ça nous vient naturellement quand on compose et par ceux qui nous ont influencés, puisque la plupart sont des compositeurs de films, donc c'est normal, je pense, que quand on écoute notre musique, on voit défiler des images et des paysages oniriques. Justement, les instruments que nous utilisons, le son, évoquent en fait toutes ces choses-là. Les compositeurs de musique de film. Et du coup, dans la tête des gens, ça, je pense que voilà, ça développe ces choses-là. Souvent, nous, on a grandi avec tous ces jingles télévisés où ça utilisait justement tous ces sons-là, ces vieux synthétiseurs, ou les tout premiers dessins animés. Enfin, pas les tout premiers dessins animés, mais... Et justement, ça fait partie de nous et c'est ce pourquoi on allait vers ça. L'esthétique est très importante pour nous. On ne se contente pas de juste créer de la musique, puisqu'on crée de la musique évocatrice. On a envie qu'il y ait toute l'image, tout autour à 360 degrés, que ce soit l'image, l'image qu'on projette, qu'il y ait vraiment un sens dans tout ça, que tout soit très homogène en fait, que ce soit très réfléchi. C'est vrai qu'on laisse peu de hasard dans tout ça. Donc, effectivement, on a vraiment travaillé les pochettes. D'ailleurs, on a fait toutes nos pochettes avec un duo de graphistes qui sont très, très doués, avec qui on a vraiment voulu créer une identité visuelle. Et ça a marché, puisque ces pochettes-là ont fait beaucoup parler. La première a gagné un prix. Et on en est très fiers. Je pense qu'on va continuer à travailler avec eux. Mais voilà, donc dès qu'on fait des... Dès qu'on a à faire des photos, des choses tout ce qui est visuel, on se dit pas, bon voilà, on va faire ça, on va faire ci, on réfléchit beaucoup, on tient à... Mais c'est aussi... Il y a une idée de respect par rapport aussi à l'auditeur, au public, de ne jamais prendre les choses à la légère, de tout faire de manière très, très, très aboutie. Sunday morning, naked bodies under sheets of white satin. Notre musique, en fait, est typiquement française, car l'historique de toute la musique française depuis la fin des années 60 et les années 70, il y a beaucoup de ces compositeurs qui ont finalement été très pop, très colorés, avec beaucoup de ces instruments qu'on utilise, que ce soit dans la musique de film, dans le rock, dans la pop, dans la variété. Et il y a un lien entre toutes ces musiques qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et en ça, c'est vraiment un truc très français, plus qu'un truc de scène, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à la limite... Beaucoup de groupes amis à Paris utilisent de plus en plus de synthé, mais on n'a pas souvent les mêmes rapports. Certains peuvent être beaucoup plus dance, d'autres beaucoup plus ambiante. Chacun a sa particularité.
C'est bien de s'inscrire dans une tradition, mais il faut savoir s'en affranchir, dépasser ça. Sinon, quel intérêt ? Le but, c'est quand même de créer des nouvelles choses. Voilà. Et justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on a une partie de nous qui est dans le passé via ces choses vintage, la musique, les instruments, mais malgré tout, on essaie de le moderniser, de le faire à notre façon.